Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue à tous ou sous TAC 509 tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. Nouveau chapitre, nouvel scandale dans la politique. Journée hier là, c'était une journée qui marquée par rencontre politique. Premier ministre Ariel Henry a une rencontre politique qu'il a fait avec plus passé 200 organisations populaires. Eh bien, premier ministre Ariel Henry, est-ce que j'ai une satisfaction? Est-ce que le pas satisfait de rencontre là? Ou pral qu'on est ça qui t'est passé? Ou pral qu'on est issu? Ou pral qu'on est déroulement rencontre qui t'a fait dans Caraïbes avec premier ministre Ariel Henry? Eh bien, pas bon côté militant politique, il y a une rencontre par yo tout yo t'a pas organisé dans souci pour yo joindre un accord politique entre yo pour yo connaître comment transition pral bâti, comment transition pral faite avec premier ministre Ariel Henry. C'était pas ton succès monsieur dame, yo pété goumen, yo bataille gros causé, gros impété, gros scandale. Papa Lambe fâché, papa Lambe crié roi et force boycottage. Monsieur Damien a fond façon pour le pas président paysan. Donc, là, gon ensemble des formations que m'pote pour nous pral saisir, ouais, dans qui niveau bassesse politicien nous y a tombé, dans qui niveau bassesse, soi-disant militant politique nous y a tombé, juste en façon pour yon même pour yon gâteau à nan men yo, juste en façon pour yon même pour yon pouvoir nan men yo, pour yon bay problème en dedans pays. Mais scandale jodi an qui beaucoup beaucoup plus important pour nous révéler, pour nous mettre au grand jour, pour nous analyser avant, c'est scandale qui concernait vice-président Sénat, sénateur Kedler Augustin, que chauffeur Desnor Edouard Avili. Gros quantité point de malversation que chauffeur sénateur a révélé. M'a demandé tête moi si n'a fait pays tout bon. Si nous disons effectivement nous travaillons pour nous mettre en campé une vraie démocratie en dedans pays, nous travaillons pour nous mettre en campé respect institution en dedans pays, nous privilégions respect de l'amour, nous privilégions respect principe démocratique. Qui ça doit faire avec sénateur Kedler Augustin? Qui ça doit faire avec chauffeur sénateur Kedler Augustin? Qui ça doit faire avec militant politique ça? Qui ça doit faire avec soi-disant politicien ça qui empêche pays à avancer, qui empêche pays à joindre stabilité la chiche? Eh bien là, en pile question, réponse yo là, ensemble nous pral répondre yo dans un petit moment. Avant de commencer dans l'émission pour aujourd'hui, quittez-moi hein, prendre un petit temps pour me remercier nous pour support nous pour contribution nous dans travail cela nous camper derrière travail nous pas jamais suspendre encourager travail un grand merci pour nous et m'a encourager nous tout continuer à abonner à channel là inviter en famille inviter en amis pendant m'a informer nous pendant m'a chercher bon genre information venir aider nous comprendre réalité politique de notre pays faut m'a chercher bon produit bon médicament bon traitement pour nous tout et pourquoi pas et bien je dis là moi j'ai deux produits m'vienne présenter nous bagaille sérieux net pas gain maintenant ça une pommade qui relè Genzouti. Son pommade 100% organique qui permet tout rallonger pénion. Ha, ça t'a dit ça. Donc monsieur madame, nous sauver. Donc pas de question plein et zouti monsieur a li piti, li coûte la bay problème non. Genzouti là l'a aidé au. Entre 30 à 90 jours ou après 3 à 5 cm. Plein fini corvée fini d'ailleurs il pas gain effet secondaire c'est produit tout à fait naturel 100% organique et d'ailleurs tout le monde qui servi avec tout garçon entre 15 à 75 ans ou qu'a utilisé Genzouti ou a joindre bon genre résultat d'ailleurs pommade la parler de déjà pommade la parler pour tête li déjà deuxième produit li relé Genbon son pilule qui fait à base de 13 plantes naturelles li la li même la pour revitaliser quoi la pour augmenter libido la pour augmenter érection la pour augmenter bon d'ailleurs non parler de li Genbon kou ni ka prend médicament ça ou a gen bagay nan mon pour frapper. Donc, monsieur dame, pas nan fè corvée, pas nan fè corvée à la, parce que gen produit pour vous, m'pote produit pour vous, ou karele nan 37-55-46-06 ou en Haïti, 37-55-46-06 ou en Haïti, ou bientôt sous nan international, non karele nan 514-886-4000.
97 76 514 8 86 97 76 ou bien visitez website là pour plus facile www.zestofmoringa.com zestofmoringa.com on garde là qui passe dans écran relé écrit mes amis al prend pour bien n'avancer. Jean ça t'a déjà annoncé hier lundi 30 août là, c'était occasion côté que Premier ministre Ariel Henry était gain rencontre avec plus passé 200 organisations populaires, groupements, regroupements, associations, yo t'est venu vinchita parce que nous connaît t'es gon protocole d'accord que Premier ministre Ariel Henry t'a travaillé sur lui pour arriver mettre campé en transition inclusive côté a gain tout secteur yo, toute classe yo, différentes structures politiques etc. Mais le problème qui se pose Haïti tellement gagne parti politique, nous tellement gagne organisation populaire, nous tellement gagne des structures politiques de dans pays que le vin paraît presque impossible pour nous jouer nos sortie de crise avec différents secteurs ça ou différents partis ça. Parce que comment on va comprendre que politique doit faire pour changer condition et vie monde. Politique doit faire pour changer la vie monde. Politique doit faire pour envisager un développement humain, un développement économique, un développement social, une stabilité, etc. Jodi an nèg ka fè politique, yo envisager intérêt personnel yo. Yo envisager des avantages pécuniaires. Yo envisager garantie, joindre une certaine garantie par bon côté l'État, joindre légitimité pour yo faire malversation, joindre légitimité pour yo faire kidnapping, joindre légitimité pour yo transporter zam, joindre légitimité, joindre machine officielle pour yo transporter cocaïne. C'est raison ça, mais véritable raison je dis qui fait nèg a fait politique en dedans pays a. Fait politique en dedans pays a, li pa gen priorité changer condition vie moun. Fait politique en dedans pays a pa gen priorité pour yo joindre stabilité, pour yo joindre entente, pour yo joindre accord. Avec différentes structures politiques qui gagnent dans le pays aujourd'hui là, avec différentes structures politiques organisations populaires qui gagnent dans le pays aujourd'hui là, li vini presque possible le gon conflit, le gen des problèmes politiques pour ta di ou pral jwenn akòd ou pral jwenn antante avec qui est. Bon pour exemple c'est pour nous. Jodi an la, l'opon structure de l'opposition politique tankou secteur démocratique populaire qui regroupe là dans différents l'autre figures de l'opposition que l'André Michel, que le Marjorie Michel, que le Nenel Kassi, Bouplante là-dedans, Liouri là-dedans, Steven là-dedans, on paquet monsieur dame za yo. Donc, jodi an la, moun za yo qui le plus souvent au devant de la scène, moun za yo qui toujours paré pour yo prendre micro la presse pour faire des devoirs, yo mette tête yo comme chef de file de l'opposition politique en Haïti. Donc, si ou pas chercher joindre un accord avec, ou pas chercher joindre un entente avec yo, ou te mettre chita avec 200 organisations populaires, c'est laver mes siates, c'est encore pas de jambe faire rien. Pour qui ça? Parce que primauté en nous baïol déjà. Nous fait secteur démocratique populaire comprendre c'est lui même qui chef de file de l'opposition politique. Alors que l'opposition politique là pas gain mettre, alors que opposition politique en Haïti, il pas gain chef de file vraiment. Parce que si on dit mon c'est opposant politique, li impossible pour, li difficile pour joindre un accord politique, li impossible pour joindre un terrain d'entente sans que on pas joindre intérêt personnel ou là-dedans, sans que on pas joindre garantie pour là-dedans ou pas ca constituer l'opposition politique. Ou pas qu'à constituer le chef de file de l'opposition politique, le tout ça qui intéresse aussi intérêt personnel ou. Parce que là, ça n'est qu'oublié. Être un opposant politique, c'est à la fois un leader et un citoyen. Jodi an yo tout vle wè côté leader là yo tout vle et c'est eux même qui chef de file parce que leur gen négociation yo vle c'est eux même qui bo table yo vle c'est eux même qui pou signer yo vle c'est eux même qui pou décider etc. Mais côté citoyen yo oublié l. Ou pas qu'à leader ou pas qu'à chef de l'opposition politique et puis côté citoyen jetel côté citoyen li tellement gè crasse li tellement entaché de corruption li tellement entaché de laideur que population pa retrouvé yo nan ou. Donc jodi an la, m t'ap senti m fier pour m di peyi a gen opposant kon chef de file de l'opposition politique ki rele André Michel. Mais là m ap gade profil André Michel, fòm ta wè André Michel li an la fò un leader, li an la fò un citoyen. De même pour Nenel Kassi, de même pour Marjorie Michel, de même pour tout l'autre yo, Youri Boplan. Pas gen question baigner cacher l'ombre, pas gon, pas jodi an la, nou rive nan stade côté que ou pa ka paraître ti point tête, ou faut paraître tout corps. Ou c'est opposant politique rete nan cadre opposant radical
moun k'ap prêcher violence, moun k'ap craser, moun k'ap briser, mais pas prétendre que n'ap chita en batab avec Ariel Henry, n'ap chita des rideaux avec Ariel Henry et puis devant public là n'ap dit l'autre bagaille. Parce que public là, information yo circulé, yo konn sa nou fè, yo konn comment nou négocier, yo konn ki garanti Ariel Henry ba nou tout. Ariel Henry qui réunit avec 200 organisations populaires, l'a cherché plus d'ouverture. Mais c'est pas que Ariel Henry, quelque part, n'a pas une entente, n'a pas un dialogue avec le secteur démocratique populaire. Parce que je dis à la députée de l'opposition politique en dedans pays, André Michel avec Allié, c'est lui-même qui n'a pas opposition dans le pays. Comment on peut le comprendre, on vit dans un pays où pas de droit pour. Ou pas gen droit pour faire passer opinion, ou pas gen droit pour faire passer revendication, s'il pas passer par monsieur Damzayo. C'est quoi l'histoire? Et c'est ça qui fait toujours une bataille entre eux. Et c'est ça qui fait toujours une division entre eux. Parce que gon jeu d'influence, gon jeu de pouvoir, gon jeu de contrôle en dedans même structure ça qui c'est et secteur démocratique populaire, la même structure ça qui constitue en opposition politique. Valait l'autre organisation populaire, valait l'autre structure politique indépendante qui gagne, qui constitue l'opposition politique. Mais non, de pour pas ou monsieur ça, de pour pas ou monsieur dame ça, ou pas ou figure ça, ou abdite tout par l'opposition politique. Et c'est une pire gros désavantage stabilité pour pays, hein? Parce que moun sa yo tellement pesé dans la balance politique là, ou pas qu'à négocier ça, ou même ou pas qu'à dialoguer ça, ou même. Gade scandale qui fait. Gade scandale qui fait avec militants politiques pour qui ça ne pense, pour qui ça ne comprenne scandale ça a éclaté. Parce que yo même, dans la négociation, soi-disant leader, yo fin faire, leader, yo fin jouer une partie par yo. Maintenant, fuck yo même, yo jouer par yo dans gâteau. Parce que monsieur Damza yo, leur prend machine, leur prend chèque, 1 million, 3 millions, 4 millions, 5 millions de goud, 10 millions de goud, dans mes premiers ministres, dans mes directeurs généraux, dans mes ministres, etc. Militant yo, par contre, ça l'agence a le régler. Donc, militant yo, tout yo même, yo gen revendication populaire par yo, vle fait passer. Et c'est une raison qui fait nouer hier. Non, rencontre qui t'a fait pour joindre un accord politique, militant yo pété coquin. Parce que militant yo, ouais, yo même yo pas bon tabla. Ah oui, yo vin nan rencontre, certes, mais yo pas bon tabla. Yo pas nan buffet, yo pas joindre parti pa yo. Donc là, on va le dire, est-ce que comportement militant est-ce que approprié? Comment on va le comprendre? Chef de file, grand patron qui est en jouer une balle, et puis ou même qui a bourriqué, ou même qui a pris la rue, ou même qui a pris gaz lacrymogène, ou pas joindre pour. Nous pas t'attendre mieux du comportement militant yo. Et c'est ça qui pral prouver nous que politique en Haïti c'est politique tisan, mais politique en Haïti c'est politique intérêt. Et là rapport de force tellement présent sous cette politique là, on pral comprendre que secteur démocratique populaire li tellement pesé lourd dans balance. M'a demandé mais qui ça fait monsieur ça peser lourd, monsieur dame ça. Qui ça fait peser lourd comme ça? Est-ce que c'est dossier autorité étatique qu'on est? Moi même pas connais parce que l'on regarde André Michel, même gens ou ka dénoncer n'importe monde qui dans malversation, n'importe monde qui dans corruption, ou ka dénoncer le tout. Chaque monde gen dossier des pour politique, modèle politique, monsieur Damzayo a fait dans pays. Qui est-ce qui pas gen dossier? Qui est-ce qui pas gen dossier? Donc moi même pas comprendre. Pas comprendre. Rapport de force est tellement évident que jodi an là, n'importe ça secteur démocratique populaire t'a réclamé avec Ariel Henry, il t'a réclamé avec gouvernement ça. Aussitôt que t'as gagné aval américain, t'as gagné aval corrupt, t'as gagné aval binu, monsieur ça a marqué gol. Et nous pral comprendre pour qui ça mettait États-Unis là-dedans, nous pral comprendre pour qui ça mettait binu, mettait corps groupe là-dedans, parce que qui est-ce qui pral dire que décision prise de décision Ariel Henry yo, c'est prise de décision et volontaire yo. Yo volontaire certes, mais yo influencé. Donc est-ce que nous comprenons? Politique haïtienne, c'est une politique influencée par la communauté internationale. Et décision que premier ministre Ariel Henry prend aujourd'hui là, c'est des décisions qui influencées. Décider de négocier avec le secteur démocratique populaire, li pa relevé seulement de la bonne volonté, de la bonne foi de premier ministre. Li pa relevé de bonne volonté, de bonne foi et membre gouvernement yo. OK? C'est des choix prédéterminés, yo préétabli déjà par la communauté internationale. Eh bien, je dis à la, si le secteur démocratique veut venir chita bon table pour tout le monde, ouais, la venir chita. Mais s'il pas veut venir chita, tout n'est pas forcé. Parce que gon ensemble de garanties qu'il y a, gon ensemble d'avantages qu'il y a, qu'il n'y a pas qu'à faire encore.
public la fin konnen ou pa ka fè bak ankò. Et même lò ta di que ou ap renonse avè yo, tout moun gen ta fin wè ki yes nou ye. Et batay sa ki pete nan mitan monsieur dam za yo, yo vin bay public la, vin bay pèp ayisyen plus lumye. Ou même ki pa vle comprendre, ou même ki pa vle wè que monsieur sa yo pa janm nan avantage ou, que monsieur dam za yo pa janm ap batay pou ou. Donc kwa fè chwa ou? Mais réalité politique la li tel li évident que jodi an nou situation kote que moun kap di c'est l'opposition politique constructive, c'est l'opposition politique progressiste en Haïti, c'est pas vrai du tout. Nous pas travailler pour progrès, nèg sa ou pas travailler pour progrès, nèg sa ou pas travailler pour développement, nèg sa ou pas travailler que pour leur poche, intérêt personnel. C'est ça qui intéresse eux seulement. Donc qui paye nous ka faire avec un modèle opposition comme ça? Et c'est parce que nous pas gain justice en dedans pays nous. Si nous t'ai gain justice en dedans pays nous, c'est sûr que la justice t'a supposé marrer tout délinquant en costume ça avec ça yo parce que moun sa yo tellement fait pays en mal, moun sa yo tellement fait population haïtienne en mal que jodi alors attendez youn k'ap dénoncer l'autre dans corruption, youn k'ap dénoncer malversation l'autre, youn k'ap dénoncer trafic d'influence l'autre, bagaille que la loi sanctionne la loi puni, jodi là n'ap gardé yo nan n'ap gande yo nan figu nou encore et puis c'est moun sa yo encore k'ap décider pour nous, c'est moun sa yo k'ap décider ki avenir n'ap gen nan pays an. Li pa possible, li pa possible. Est-ce que pays an c'est bien personnel ou individu? Non. Est-ce que pays an c'est bien personnel ou groupe d'individu? Non. Pays an son communauté, nou gon territoire, nou gon population, chaque moun, chaque citoyen haïtien libre de dan pays yo, chaque citoyen haïtien libre pou pran décision kap bon pou yo, libre pou yo projete avenir yo de dan pays yo. Est-ce que le possible jodi an pou 10 moun, 20 moun et 200 organisations structures politiques qui décident de regrouper tèt yo, qui di yo c'est l'opposition politique qui décide de regrouper tèt yo pour yo di c'est yo même qui gen légitimité pour yo prendre décision pour res population. Et d'ailleurs, légitimité on connaît à travers élection moun pran ça. Moi mais est-ce que t'as une élection bon li ta possible, li ta acceptable d'où si structure de l'opposition politique yo te regroupé, yo te dit yo t'a fait primaire, yo te dit tout parti regroupé selon idéologie, yo fait élection primaire et puis yo sorte de la population adhérer etc. et puis nous gon opposition politique qui légitime. Jodi an la est-ce que ça moi la légitime nèg sa yo k'ap bataille sans pied sans tête sans devant sans derrière, yo légitime? Yo légitime pour qui yes? Yo légitime pour moun yo aveugle yo zombifié ou bien yo légitime pour moi? Moi même monsieur dame ça yo pas légitime pour moi. M'pat mandaté yo m'pa konnen yo. Donc jodi an la que monsieur yo prend forme ko yo, que monsieur dame ça yo prend main yo parce qu'on ka décider pour moun ki choisi koube en bas malversation a fait yo, pour moun ki adhéré avec corruption a participer là-dedans yo. Tout moun pa tan kou nou et tout moun pa obligé accepter ça n'a fait parce que ça n'a fait jodi an la ça nous projeter comme vision politique là c'est mascarade lié, c'est malversation lié en rien encore. Comment pral vin expliquer que ou fait vous dans politique, nèg la fait ville dans politique, li fait ville dans opposition politique. Donc ou son opposant né ou bien c'est parce que opposition tellement gen des avantages ou ka tirer là-dedans qui fait nous tout nous souvent pote bourré et dans l'opposition politique. Parce que je dis depuis nèg la pa gon vision pour pays, il pa gon vision pour côté zoti pour département, côté zoti pour commune, côté zoti, faut le regrouper. Ah oui. Faut le gon bloc parlementaire, faut le gon regroupement parlementaire. Ah oui. Parce que c'est con sa négociation possible et c'est con sa tout pour yo faire malversation. Je dis on va comprendre que vice-sénateur, on institution noble comme le parlement haïtien. Et dans tout pays au passé depuis au parlement, depuis au représentant du peuple, ou supposé gon minimum de crédibilité, ou supposé susciter mon respect. Donc je dis là qui ça nous gagne là on a parlé de parlementaire nous qui ça nous est qui ça a suscité dégoût bien fierté ça ou ca répondre est-ce que c'est dégoût ou suscité ou bien est-ce qu'on fier de yo comme on va le comprendre là sénateur Kedler Augustin vice-président sénat et puis li impliqué dans quantité scandale dans quantité et parole en pile des séries de malversations tant des chauffeurs a dénoncé à Paville
dans radio, oui c'est pas deux, c'est pas un voice, c'est comme circuler dans radio, dans micro la presse à la ville sénateur. Sénateur a gagné étiquette corrupteur d'ol, sénateur a gagné étiquette moun k'ap fait trafic stupéfiant, sénateur a gagné étiquette moun qui tue moun assassine moun, sénateur a gagné étiquette moun k'ap détourner fonds publics. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Koun yo pral di m ensemble de dénonciation ça yo pral passer comme une lettre à la poste. C'est pas première fois non dis non Edouard chauffeur sénateur la prend micro pour la ville sénateur. Mais nous pourquoi jamais la justice agir? Nous pourquoi jamais DCPJ invitel? Nous pourquoi jamais commissaire du gouvernement invitel? Nous pourquoi jamais tande une enquête ouvrir sur ça? Nan pays sérieux nous garder mais différence. Mais différence entre Haïti et l'autre pays sérieux yo, la justice pas gagne rien encore, c'est la justice. Ou pral tande quantité l'autre pays qui gagne problème, quantité l'autre pays qui gagne corruption, quantité l'autre pays qui gagne délinquant, en quantité l'autre pays qui gagne violence et là dans etc. Mais gagne justice prétendument, joindre justice prétendument, on tombe en bas sanction la loi. Donc je dis à la c'est différent entre Haïti et tout le pays. Tout le pays qui a plongé droit sous nous comme petit pays, comme pays qui pas voyé, comme pays côté que dirigeant ou pas travailler pour peuple, c'est différent sans ça. Système judiciaire, c'est seul différent. Parce que dans pays sérieux, l'on un ensemble de dénonciations, ça, yon fait, ap gen enquête kap l'ouvri, ap gen information kap cherche, yon ap enquête pour yon connaître est-ce que c'est vérité, est-ce que c'est dénonciation calomnieuse. Est-ce que sa chauffeur a dit algon part de vérité ou bien c'est dénonciation mensongère la fait sous vous? Donc je dis en là qui sa commissaire du gouvernement pral fait, qui sa enquêteur des CPJ pral fait. Donc c'est pas de dénonciation, c'est pas de infraction. Dion moun participer dans trafic stupéfiant, dion moun participer dans tuer moun, dion moun participer dans détournement de fonds publics, l'argent l'état. Ha, ça c'est gros accusation. Ça c'est gros accusation. Donc jodi an la enquête doit faite, jodi an la information doit chercher, vérité en doit prendre la rue. Et nous même comme peuple, nous même comme citoyens, nous même qui qu'on habitué à voter dans élection, faut que nous commencer déshabituer, nous faut que nous commencer décalquer nous de moun sa yo. Nous pas qu'à continuer à accepter malversation comme si c'était norme, non, comme si c'était principe, non, comme si c'est un bagage qui est légal. Moun nan nous connaît le volet, quand même, faut que nous reconduisons, faut que nous retournions dans la figue, nous encore. Moun nan participe dans le kidnapping, faut que nous reconduisons. Moun nan l'implique dans le kidnapping, faut que nous reconduisons. Et nous connaissons très bien, nous connaissons parfaitement bien la justice dans le pays, nous pas impartial. Nous connaissons pas un système judiciaire qui est indépendant. Nous connaissons la justice, nous avons influencé. Moi, je dis nous très clairement, le système pénal, c'est Mac Fabric. Moi, je m'habitue avec, je connais très bien. Mais quand nous arrivons dans une situation dans le pays, avec les gens qui ont fait politique dans le pays, nous ne sommes pas obligés de tenir, c'est la justice qui détermine la culpabilité, non? Depuis nèg la non cité nan bagala nous supposé commencer mettre ou à l'école parce que la fumée pas levé sans dife. Si moun nan pas trotté kon fourer droite nan bagala pa jam vini un bon matin pour dire tel kon fourer droite non. Donc nous obligé commencer prendre recul par rapport avec principe ça qui dit présomption de culpabilité en présomption d'innocence. Non politique de dans pays nous supposé commencer prendre recul parce que nèg sa yo malveillant trop nan politique là même l'entendé yo impliqué. Même l'entendre yo doit tel yo soupçonner tel comme moun qui a fait kidnapping, comme moun qui participe dans trafic stupéfiant, comme moun qui participe dans trafic d'armes en dedans pays. La justice pas enquêter, la justice pas trailer yo, la justice pas tendre yo. C'est nous mêmes qui pour ba yo canet, c'est nous mêmes qui pour retirer yo dans figi moun dans politique là. Leur élection pral arriver, leur retourner pas voter yo, leur retourner mettez yo à côté. Faire de nouvelles expériences dans la politique là. Et nouvelles expériences ça on a fait, n'a fait en conséquence, n'a fait en connaissance de cause moi même là pour me chercher information sur candidat oui, l'élection va arriver. Donc nous pas on va quitter nous al prendre et dans piège ça encore? Non. Information a venir sur chaque candidat, chaque potentiel candidat, faut que nous on ensemble des formations sur yo. Nous prenons trop coup. Pays en prenant trop faux dirigeants, trop faux leaders.
non trop moun ki couvre ya pour moun, mais c'est voler, c'est gang yo yon dedans pays yo. Donc c'est pas seulement l'oligarchie syro-libanaise, nous gagnons oligarchie dans politique là tout, monsieur Damzayo qui kembe sénat en gorge, qui kembe chambre député en gorge. Monsieur Damzayo qui kembe différents ministères sous contrôle yo. Ou sénateur gen contrôle ministère, ou sénateur gen contrôle direction générale ministère. Ça veut dire. Donc jodi a la pratique ça on a prend recul envers yo. Pratique ça on a dénoncer et puis n'a barré yo la route. Parce qu'on pas ka di moi travail pour faire payer et puis on fait payer nèg sa yo. D'autant n'a pensé pour nous rebâtir Haïti, pour nous rebâtir système politique haïtien, pour nous rebâtir système judiciaire haïtien et puis c'est avec même moun sa on a continuer, c'est corvée n'a fait c'est laver messi en terre. Parce que gen moun jodi an qui nan politique là supposé prendre retraite yo. Oui, même Jean-Noël dans l'administration publique dans des séries de grands monde, yo pas qu'à travailler encore. Yo arrivé dans l'âge retraite, mais yo déterminé pour yo kembe poste, pour yo rester là dans fonction, ou pas qu'à révoquer, ou pas qu'à voyer yo aller prêt à tout. Non, faut que nous baï yo retraite yo dans politique là. Faut que nous baï tout le monde qui mérite canet, tout le monde qui mérite prend retraite, baï yo retraite yo. Point boule. Nèg la passé 10 ans la première de un pays, li rele tête li opposant politique, mais opposant farouche, qui ça jamais réalisé dans 10 ans? Qui progrès nous opposition politique la réalisé dans tes pays? Rien. Au contraire, si tu as vérifié kané banque nèg za, ou t'as pensé l'argent ouvert pendant y a mettre pays lock, pendant y a mettre barricade, pendant y a dou ou pas doit prendre la rue, écrit nous en bas pio, y a bon toute qualité stress, toute qualité problème dedans pays, petit ou pas ka l'école, ou pas ka travail, ou pas ka manger, yo même pays bloqué, oui, yo même y a fait l'argent, yo même yo gain bénéfice, yo même yo fait gain. Comment on comprend situation ça? Comment comprendre paradigme là, comment comprendre problème ça en dedans pays là. Donc je dis à là nous trouver nous dans une situation politique côté que moun kap di ap défendre droit lan c'est droit y'a défendre. Moun kap dou yon intérêt lan c'est intérêt pa y'a défendre. Moun kap dou y'a protéger lan c'est vulnérabilité ou mettre sous tête. Est-ce que nous a histoire pays nous? Nous est-ce que nous a côté traîner pays papa de Saline là? Yo tout yo fier pour yo dire que et n'a respecté mémoire ancêtres yo, n'a respecté mémoire héros nous yo. Nous pense jodi a la héros a yo ta fier pour yo ta wè monsieur dame za yo parler nan nou yo. Nan nou souveraineté pays an, nan nou légitimité haïtienne nan, jamais. Nèg za yo c'est une honte à la nation yo. Ça c'est mon engagement citoyen pour me dire c'est une honte à la nation. Quitte une quitte l'autre, youn pa vo l'autre. Youn pa volot je di la. Non. Et bataille politique ça nous est qu'a fait là, li a li au-delà. Pays a gen un problème politique certes, mais en dehors du problème politique, nous gon problème d'éducation. Peuple a gon problème d'éducation. Si éducation peuple en fait, si formation peuple en fait, me garantis nous. Ça monsieur dame za vin a ba nous jodi an la comme idéologie politique comme vision politique le peuple a pas prendre la main yo y a déjà konn côté yo camper y a déjà konn côté yo garde avec monsieur dame za yo et c'est une raison et c'est une raison qui fait le y a dénoncer jodi an la yo pas jamais dénoncer ça pour dénoncer réellement nous gon système éducatif moi me pour me venir sous sujet ça nous gon système éducatif dans pays qui déséquilibré net système ça son système qui crée discrimination son système qui crée déséquilibre. Qui est-ce qui j'aime parler de lui? Qui est-ce qui j'aime parler de ça? Qui est-ce qui j'aime parler pour éducation en Haïti? Qui est-ce qui j'aime parler pour jodi en la nan opposition politique là? Ta gon programme, ta gen des projets d'éducation, éducation civique. On nous garde comment nous ka éduquer peuple pour yo konn droit yo, pour yo konn devoir yo, pour konn obligation yo. Mais non. Yo préférez utiliser toute stratégie yo konnen tous les moyens sont bon jodi an la pour monsieur dame sa yo pour yo venir influencer ou même ka font travail positif pour yo rally yo avec cause yo en façon pour yo corrompre. Eh bien qui t'aime dit non tout monde pas corruptible gen moun a vini devant la kito konbul la prend avantage pour offrir là la prend garantie ou balian mais c'est pas tout monde garantie ou c'est pas tout monde gon travail ou faire gon travail citoyen gon engagement citoyen prend ou fait ou choisir faire ça ou faire en toute âme et conscience ou choisir ça ou faire parce que ou remet ça ou faire ou ba être tout devoir pour former ou ba être tout devoir pour aider l'autre monde. Eh bien jodi an la ça c'est engagement pam ça c'est travail pam ma fait la tout moi même fait la 100% moi même.
Donc, monsieur, dame, bravo, m'kon nous tade. Ok. Moment arrivé pour mettre un bout dans l'émission Mon Éditorial pour jodi. Li évident que pays a un problème. Nous avons un paquet de problèmes. Problèmes politiques, problèmes humains, problèmes de développement psychosocial. Donc, à tous les coups, Haïti besoin de reconstruction, Haïti besoin et en pile bras. Nous besoin des jeunes, nous besoin toute couche, nous besoin tout monde de pour caber dans notre travail ça, de pour contribuer dans développement chaque grain citoyen haïtien, dans éducation chaque grain citoyen haïtien appliquer bah était toute mission ça, bah était tout devoir ça. On nous fait ça qui bon pour pays nous, on nous fait ça qui bon pour communauté nous. Principe là il pas changer, continuer regarder vidéo, partager vidéo, quitter un commentaire, quitter un like et par-dessus tout, inviter un ami, inviter un famille vin agrandi famille tac 509 là en façon après été connecté avec chaîne ou après été connecté avec information yo ou besoin de bon genre analyse ou besoin de bon genre information ou besoin de bon genre distraction surtout. Ah oui, rendez-vous à l'icassé pour demain sous même chaîne dans la même l'heure des micro présentation, c'est toujours même Yannick Lan, même voix, rien pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.